Kadia Togola, 126 ans, doyenne de Bamako, boucle le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Avec ses bénédictions pour un Mali prospère, elle a reçu aujourd'hui le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le parrain national, Monseigneur Jean Zerbo. Suite aux multiples plaintes des usagers, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est rendu au consulat général du Mali à Paris. Abdoulaye Diop a pu s'enquérir des conditions d'accueil et de traitement des dossiers administratifs et d'état civil. Focus Santé fouine le monde des pharmacies au Mali pour les plus de 14 millions d'habitants que nous sommes. 523 pharmacies sont à notre disposition selon le président de l'Ordre des pharmaciens. La moitié de ces officines se trouve ici à Bamako alors que les arrondissements et chefs-lieux de communes attendent d'avoir une pharmacie ou d'augmenter le nombre d'officines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Kadia Togola, 126 ans, originaire de Bougouni, a reçu aujourd'hui le président de la République dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui. La doyenne du district, qui se porte bien, a reçu donc le chef de l'État à qui il a formulé des vœux de prospérité pour un Mali de paix. Moi couronné également par les bénédictions faites au Mali. Le reportage au cours de cette édition avec Nyanya Aliou Traoré. La conférence nationale sur la protection sociale a connu son épilogue. Elle a été organisée par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire en partenariat avec la Direction nationale de la protection civile et de la protection sociale et de l'économie solidaire et dans le cadre de la 22e édition du mois de la solidarité. Rachel Tessougué pour le compte-rendu. Au terme de 3 jours de travaux, les acteurs du secteur de la protection sociale ont abordé le sujet de la mise en œuvre du registre social unifié, la problématique de la mobilisation des ressources pour le financement de la protection sociale et la nécessité de coordination des actions ont alimenté les débats. Les participants recommandent au comité de pilotage et au comité technique du registre social unifié une meilleure définition du cadre juridico-institutionnel, de sorte à définir les objectifs et les cibles du registre social unifié et à adresser les questions de recevabilité. Le représentant du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire estime que la protection sociale participe énormément à la réduction de la pauvreté. Après les recommandations que vous avez formulées, il est utile de rappeler que la protection sociale participe à la réduction de la pauvreté. Elle est le gage de la paix et du développement durable. Nous devons donc nous mobiliser pour gagner ce pari. Ce défi est à notre portée. Les participants ont fait plusieurs recommandations qui devront être prises en compte avant la tenue de la prochaine conférence nationale sur la protection sociale. Pour l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomignan, la Cour constitutionnelle a validé la liste de candidatures. Elle retient ainsi les 10 candidats qu'elle avait validés le 26 octobre dernier en l'absence de réclamation dans le délai prévu par la loi. Je propose plutôt d'écouter Manassa Danioko, président de la Cour suprême. Ses propos ont été recueillis par Noum Sissoko. Vu la programmation 26 octobre 2016 par la Cour constitutionnelle des candidatures validées de l'élection législative partielle de Tomignan, considérant qu'à l'issue de cette proclamation, la Cour constitutionnelle a observé le délai de 24 heures pour le dépôt d'éventuelles réclamations, considérant qu'à l'expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n'a été reçue à la Cour constitutionnelle. Article 1er. Arrête ainsi que sur la liste définitive des candidatures validées dans la circonscription électorale de Tomignan. 1. Ange-Marie Dako, cultivateur, candidat de l'Union pour la République et la démocratie URD. Mariam Diassana, commerçante, candidate de l'Union pour la démocratie et le développement UDD. 3. Roger Mukoro, médecin, candidat de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. 4. Jean de Dieu Dambélé, anthropologue, candidat de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA Faso Djigui. 5. Honoré Efflin Alain Conin, économiste, candidat du mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine Média.
6. Nathaniel Damélé, géomètre expert, candidat de l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PAJ. 7. Sekou Tera, technicien sanitaire, candidat du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS. 8. Pakone Patrice Dambélé, opérateur économique, candidat du Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. 9. Berdou Moussa Kone, militaire à la retraite, candidat de l'Alliance pour le Mali, APM Malico. 10. Philippe Tienou, enseignant à la retraite, candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. Article 2. Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, chef du gouvernement, au président du comité de légal accès aux médias d'État. C'était le président de la Cour constitutionnelle, Manassa Danioko. Plénière à l'Assemblée nationale, la deuxième du mois d'octobre s'est ouverte ce matin pour le renouvellement du bureau et des différentes commissions. Dès l'ouverture des travaux par le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, l'hémicycle a été informé de la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé ADP Maliba Sadi. Ce groupe, composé de 14 députés, se réclame de l'opposition. Le groupe parlementaire a fait sa déclaration politique focalisée sur ses intentions par rapport à l'égalité et au mérite. L'Assemblée a également appris la démission de 4 députés du groupe Asma Adema. Ces 4 députés ont fait savoir leur adhésion à l'APM. La journée de ce lundi a été marquée donc par ces 3 nouvelles. La séance reprend demain à 10h pour le renouvellement du bureau et des différentes commissions. Et un communiqué dans ce sens, justement, le président du groupe parlementaire de l'ADEMA PSJ porte à la connaissance de l'opinion qu'il a reçue ce jour 31 octobre 2016, la démission collective des 4 députés du parti ASMA CFP mettant fin à l'existence de l'alliance parlementaire ADEMA CFP, le groupe parlementaire du Parti africain pour la solidarité et la justice. Prend acte de la décision des alliés ainsi que de leur motivation. Plus d'un milliard et demi de francs CFA, c'est le coût d'aménagement de 500 hectares de terres qui seront bientôt mis à disposition des paysans de Farabana dans la commune rurale du Mandé, cercle de Kati. La réhabilitation de ce périmètre devra permettre l'intensification des activités agricoles dans la zone. Agali Agadissa, compte rendu. C'est à bord d'un 4 pilars que le ministre de l'Agriculture a lancé ses travaux. Il s'agit de l'aménagement du futur périmètre des Farabana dans la commune rurale du Mandé, cercle de Kati. C'est dans le but d'accroître la productivité agricole. C'est un vieux périmètre qui a eu des difficultés techniques empêchant l'exploitation rationnelle de ce périmètre. Mais dans le cadre de l'aménagement des 100 000 hectares que le président de la République a promis pour, au cours de son mandat, Nous avons intégré la réhabilitation du périmètre de Farabana pour 535 hectares. Il va être aménagé complètement à mettre sur le stade de l'eau avec un revêtement complet des canaux d'irrigation. Le lancement de ces travaux, financés par la Banque africaine de développement, BAD, a suscité une grande mobilisation des habitants des villages bénéficiaires du projet. Le coût total de la réhabilitation du périmètre de Farabana est d'environ 1,6 milliard de francs CFA, dont 1,3 pour les travaux et 300 millions pour le contrôle et la surveillance des travaux. Le délai d'exécution est de 6 mois. Le représentant du chef de village de Farabana et le maire de la commune du Mandé ont salué l'initiative qui permettra d'améliorer les cadres de vie des bénéficiaires qui sont invités à faire bon usage du futur périmètre. Les mésententes qui se trouvent entre les producteurs, il faut qu'ils arrivent à se dépasser. Et que quand on attribue une parcelle à quelqu'un, il faut que cette parcelle puisse être exploitée judicieusement. Et nous avons sollicité l'appui de l'administration centrale et les élus pour que ce travail puisse être fait dans un cadre très serein. Je veux que les producteurs soient ensemble, soient solides. Et parce qu'on ne peut pas travailler tant qu'on n'est pas ensemble. S'ils sont ensemble, il y aura de bons résultats. La réhabilitation du périmètre irrigué de Farabana s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers le développement des cultures irriguées. Un projet d'environ 29 milliards de francs CFA
couvrant les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Kadia Togola, 126 ans, originaire de Bougouni, boucle le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La doyenne du district qui se porte bien a reçu la visite du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, mois couronné également par les bénédictions faites au Mali. Nyanya Aliou Traoré. C'est une habituée des lieux qui retrouve avec enthousiasme la centenaire Kadia Togola. Sa femme, comme aime bien à l'appeler le chef de l'État, est la personne la plus âgée du district de Bamako. Elle affiche au compteur 126 ans. Elle est en forme et visiblement contente de revoir le président de la République, son mari. C'est la troisième année consécutive que le chef de l'État rencontre la centenaire. Un fait de Dieu, dira Ibrahim Boubacar Keïta, qui a souhaité une vie pleine, heureuse et sereine à la grand-mère. Quel bonheur nous avons chaque fois de la retrouver. Et du haut de son siècle passé, qu'elle continue à nous bénir et à bénir ce pays. Et c'est fabuleux de l'avoir et un bon pied, bonne œil, des bonnes oreilles. Et un sens de l'humour qui est intact. Le président de la République est venu les mains pleines de cadeaux. En plus du traditionnel kit de solidarité, il a offert un gros bélier à la vieille. Kadia Togola n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir. Promesse a été faite au chef de l'État de lui concocter un fameux plat de thau. C'est moi, si octobre 2016, avec comme parrain Monseigneur Jean Zerbo, dont tout le monde sait la profonde inclination humaniste et que tout notre peuple respecte. Qui a parrainé ce mois de solidarité avec son humilité habituelle caractéristique, a donné un cachet particulier à ce mois de la solidarité de 2016. Et c'est avec bien bonne grâce que nous avons pu venir aujourd'hui faire ce que nous aurions dû faire depuis le début. Nuit était un agenda international qui nous a tenu quelquefois loin du pays. Mais c'est une belle conclusion de ce mois de la solidarité qui aura tenu tous ses engagements. Et toutes ces promesses. Nous voulons ici savoir gré à Monseigneur, à toute son équipe, à tous les parrains de ce mois de la solidarité 2016. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne chaque année, chaque fois l'an révolu, venir auprès de nos anciens, nous ressourcer de la plus belle des façons. Vous voyez que le siècle a bon pied, bon oeil et a bon discours. Et équilibré, structuré, alhamdoulilah, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la famille de Kadia Togola qui était la seule heureuse de cette visite en cette fin d'après-midi. Une mobilisation générale des populations du quartier était au rendez-vous. Et c'est à l'unisson qu'elle souhaitait une longue vie au président de la République. Eh bien, le parrain du mois de la solidarité, le Monseigneur Jean Zerbo, et celui de la troisième semaine, Ibrahim Kontao, ont remercié les autorités pour cette initiative et lancé un appel. Je vous propose de les écouter au micro de Nyanya Aliou Traoré. Je voudrais remercier tous ceux qui ont initié ce mois de solidarité pour que dans notre pays, cette valeur ne se perde pas. Je voudrais remercier spécialement le choix qui m'a été fait pour le présider ce mois-ci. Ce que j'ai retenu, c'est que les quatre semaines thématiques portent sur des valeurs extrêmement importantes. Que toute l'année, du 31 octobre jusqu'au 31
septembre prochain, nous vivions ces 4 semaines thématiques. Et ça nous permettra d'évaluer à la fin de l'année 2017, en septembre 2017, est-ce que nous avons progressé? Qu'avons-nous fait pour les personnes âgées? Qu'avons-nous fait au bénéfice des femmes et des enfants? Qu'avons-nous fait pour les personnes marginalisées? Et qu'avons-nous fait, en tout cas, pour notre jeunesse? Dans la mesure où cela deviendra une culture. Merci beaucoup l'État malien qui a sacrifié ce mois, le mois de la solidarité, qu'il y a une solidarité au Mali. Mais c'est un mois symbolique pour faire la signe que l'État malien, la population malienne, leur histoire, c'est une histoire de la solidarité. C'est une histoire de l'humanité. C'est une histoire que tous les Maliens ont toujours à faire un grand succès et se consolider, se réconcilier. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était au consulat général du Mali à Paris. Abdoulaye Diop a pu s'enquérir des conditions d'accueil et de traitement des dossiers d'état civil et administratif des Maliens de la France. Les efforts remarquables du consul ont donc été salués par le ministre qui a quand même promis d'apporter les correctifs nécessaires à la satisfaction totale des Maliens. Suivons plutôt le récit de Makanfin Konaté. Le ministre Abdoulaye Diop a passé au peigne fin les différents services du consulat. Passeport biométrique, carte d'identité consulaire, visa et INPS. À première vue d'œil, le ministre s'est dit surpris par l'état des locaux qu'il juge assez bien tenu et l'accueil satisfaisant. Nous voudrions vraiment nous enquérir des conditions de travail, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons travailler avec le personnel du consulat pour améliorer davantage les prestations des services. Nous avons aussi prodigué quelques conseils, en ce sens que nous avons souhaité qu'une attention particulière soit donnée à nos compatriotes qui viennent au consulat pour avoir des documents. Je me suis réjoui de tous les efforts qui ont été faits par le consul général lui-même et par l'ensemble du personnel du consulat pour améliorer ses prestations. Les questions qui ont été soulevées par les Maliens, souvent en toute objectivité, sont des questions auxquelles nous sommes sensibles. Nous sommes attentifs à toutes ces questions et nous cherchons aussi à y apporter des réponses. Le chef de l'État lui-même prête une attention particulière à ces questions. En tout cas, soyez assurés que tout ce qui concerne les dérives, le président de la République a donné des instructions fermes pour faire en sorte que chacun s'engage et que le travail soit fait normalement. C'est important aussi pour nos compatriotes de comprendre aussi quand ils viennent au consulat que ceux qui sont là pour les servir sont également des Maliens, qui se doivent respect mutuel et que nous, pour notre part, nous ferons tout ce qui est possible, tout ce qui est possible et nécessaire pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'ils puissent avoir des prestations de services de qualité. Le ministre Diop a félicité les consuls et l'ensemble du personnel du consulat pour les efforts remarquables qu'ils font au quotidien dans des conditions très difficiles. Il s'est dit par ailleurs sensible aux cris de détresse des usagers qui restent non satisfaits. Après l'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie du partenariat public-privé PPP au Mali, le ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé à la tête d'une forte délégation vient de prendre part à Montréal, au Canada, au Grand Forum des PPP de Montréal. Cette rencontre, qui est à sa 8e édition avec comme thème la modernisation et le développement des infrastructures collectives, avec comme invité d'honneur le Mali. Ibrahima Diombele pour le commentaire. La participation du Mali à ce forum a permis de s'imprégner de la vision canadienne et américaine des PPP et d'échanger sur les opportunités de financement des projets PPP du Mali par les investisseurs canadiens et américains. 2 jours durant, des projets PPP du Mali ont été présentés aux opérateurs économiques canadiens. Parmi ces projets, l'on dénombre ceux provenant des départements ministériels, de la mairie du district de Bamako, de la compagnie malienne de développement des textiles, CMDT, et de l'office du Niger. Et en fonction de toutes les opportunités offertes aux municipalités, nous souhaiterons très sincèrement que le département puisse faire en sorte que l'ensemble des municipalités qui n'ont pas eu la chance de venir à ces forums puissent bénéficier de toutes les opportunités ainsi offertes.
Ce forum, qui a regroupé des participants issus du gouvernement et du secteur privé, des pays africains, des États-Unis d'Amérique, ainsi que des représentants d'institutions et partenaires au développement, aura tenu toutes ses promesses, et cela en termes d'échanges d'expériences et d'exploration d'opportunités d'investissement. Nous sommes venus d'abord pour partager les expériences, parce que le Mali a décidé récemment de recourir à cette modalité d'exécution de grands projets structurants, qu'est le PPP. La loi et la stratégie ont été adoptées au dernier Conseil des ministres et nous entrons dans la phase opérationnelle. À ce niveau, il est très important de partager les expériences avec d'autres pays. Mais le forum aussi a été l'occasion de porter à la connaissance des experts du domaine l'expérience malienne qui est en train de débuter. En marge des travaux, le ministre Koniba Sidibé a eu plusieurs entretiens avec des investisseurs et des partenaires comme la Financière Agricole du Québec, la Direction d'Hydro-Québec et s'est rendu sur le site des travaux de construction du pont Chapelet, un exemple spécifique d'ouvrage PPP en chantier. Le Forum du Canada était organisé par l'Institut du partenariat public-privé de Montréal. Un autre ministre sur le terrain, le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim, est parti ce soir pour la Turquie où il prendra part au Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique prévu à Istanbul du 2 au 3 novembre prochain. À cette occasion, il procédera à la signature d'un important accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le Mali et la Turquie. Au Burkina Faso, sur le site du CIAO, les autorités maliennes s'attellent à faire connaître le contenu de l'accord de paix et de réconciliation avec les artisans réfugiés dans les pays limitrophes du Burkina Faso. Aliou Touré, Souleymane Kenza Silbé. Les contours de la paix globale se dessinent pour le pays. Le Mali vient de signer des accords tripartites avec la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso pour le retour des réfugiés. D'où l'intérêt de cette campagne de sensibilisation et d'information pour la paix de la part des autorités maliennes à l'endroit des compatriotes et des amis du Mali sur le site du CIAO où 25 nationalités se rencontrent pour la foire internationale de l'artisanat africain. Que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui le Mali est engagé dans un processus d'unification de ses concitoyens. Et pour ça, nous pensons que nous ne pourrons avoir comme véhicule que vraiment en tout cas ce CIAO où il y a toutes les nationalités, tous les pays qui sont là et qui voient ce que nous avons, nous projetons, voir comment on peut aujourd'hui leur expliquer ceux qui sont intéressés, l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'avenir. Les réfugiés maliens ont pris bonne note et ont promis d'étendre cette campagne d'information et de sensibilisation dans leur zone. Que le retour, on revient chez nous comme d'habitude, on reste soudés, on reste comme on était avant. Et pouvoir bien vivre de notre art, surtout nous les artisans. On n'arrive plus à vivre de notre art. Et oui, engageons-nous pour la paix et la reconstruction du pays. Le slogan s'adresse aussi bien à tous les Maliens qu'aux partenaires du Mali, en tout cas à tous ceux qui veulent le bien du Grand Mali, éternel, par la grâce du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le recensement dans le cadre des opérations de décarpissement et de libération des voies publiques se poursuivra en commune 4, 5 et 6 du district de Bamako du 1er au 8 novembre prochain. Les commerçants détaillants touchés par les dites opérations sont invités à se présenter physiquement sur leur ancien site et aux dates prévues en vue de leur recensement par une commission ad hoc mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie qui donne l'information. Suite à l'insécurité grandissante dans Bamako et ses environs, le procureur général, près la cour d'appel, a rencontré tous les procureurs de Bamako et de Kati afin de prendre des dispositions adéquates. Mamadou Koulibaly a également parlé des enquêtes en cours après l'attaque du poste de péage de Sanankoroba et celle devant la banque Ecobank. Il nous donne plus de détails au micro de Kadiatou Kone. La réunion, c'était dans le cadre de l'insécurité autour de Bamako et à Bamako. J'ai estimé qu'il fallait réunir tout le monde pour prendre les dispositions qu'il faut. Les enquêtes ont toujours été bien menées, mais vous savez,
les malfaiteurs s'accommodent. Chaque fois que nous apportons, nous, de nouvelles techniques, ils s'adaptent. Et nous en profitons, chaque fois qu'il y a des cas, nous apportons toujours des correctifs pour améliorer. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis vendredi avec tous les procureurs de la République. C'était au parquet général de Bamako, de la cour d'appel de Bamako. Sur le plan national, ce que je vais demander, c'est la communication. Pour lutter contre ces malfrats, il faut des témoignages. Tout part du renseignement. Et les renseignements, ce n'est pas l'agent de renseignement seulement. Il faut que les populations communiquent, il faut que les populations coopèrent. Le 17, on va avoir une grande rencontre ici. On va élargir le conseil de cabinet à tous les commissaires, à tous les chefs d'unité d'enquête, c'est-à-dire commissariat, gendarmerie, tous les chefs BR. On va créer cette synergie-là, cette synergie d'action pour que chacun soit au même niveau d'information, pour que la ceinture tout autour de Bamako, Koulikoro, Kati, Bamako, soit sécurisée. J'ai donné comme instruction que toutes les procédures pendantes devant les commissariats ou les unités d'enquête soient déférées dans le meilleur délai et que la procédure de comparution immédiate soit appliquée et qu'il y ait des sanctions à la mesure du forfait, qu'il y ait des sanctions dissuasives, des sanctions qui puissent rassurer les populations maliennes pour lesquelles nous travaillons. Les attaques qu'on avait l'habitude de voir, c'était les attaques nocturnes. Le cas de Ecobank, c'était le jour. On n'est pas habitué à ce genre de situation. Les agents de police, les agents de renseignement qui opèrent de nuit doivent doubler l'effort et opérer de jour et de nuit. Ceux-là qu'on est en train de traquer, ils sont traqués, que les populations se rassurent, ils seront retrouvés et sanctionnés avec la dernière rigueur. Et dans le même chapitre, l'association professionnelle des banques et établissements du Mali rassure le personnel bancaire, les clients et tous les partenaires qu'elle a déjà approché le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en vue du renforcement des mesures de sécurité dans toutes les banques et dans tous les établissements financiers du Mali. Une cellule de veille et d'orientation est opérationnelle pour compter du 31 octobre 2016. Les numéros 6 et après sont à la disposition de tous pour toute éventualité. Il s'agit du 20 29 22 14, du 90 85 12 10 et du 62 37 98 88. La journée africaine de la jeunesse, c'est tous les 1er novembre. Autonomiser les jeunes filles vers l'agenda 2063, c'est le thème retenu pour l'édition 2016, un thème qui cadre bien avec la politique nationale de la jeunesse du Mali. Je vous propose d'écouter le premier des jeunes du Mali, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta. Ses propos ont été recueillis par Agali Agagissa. L'édition 2016 a pour thème autonomiser les jeunes filles vers l'agenda 2063. Cette thématique s'appuie sur celle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en janvier 2016 à Kigali, à savoir année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. Au plan national, le thème retenu est le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne. La question de citoyenneté retient l'attention des plus hautes autorités de notre pays. C'est ce qui justifie la création d'un département ministériel dédié à cette épineuse question. Le fondement de toute nation est et demeure l'attachement sans faille aux valeurs de citoyenneté et de civisme. C'est dans cette optique que le département s'est engagé dans le processus de formulation d'une politique nationale de construction citoyenne avec l'organisation de l'atelier de validation de la dite politique tenu du 17 au 19 octobre 2016 à Ségou. Mieux, aujourd'hui, le département travaille à rendre opérationnel le service national des jeunes qui a une volonté politique de construire un citoyen modèle. Cette année, les activités de célébration de la journée africaine de la jeunesse du Mali se dérouleront à Montoukoula, 7 le Kati. La route qui ralliera Gao au barrage du Taoussa coûtera plus de 20 milliards de nos francs. Les travaux de construction et de bitumage ont été lancés par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Alouzeni, dans la cité des Askia. Le compte-rendu de Drissa Kone. À la commande de la niveleuse, Malik Alouzeni donne le top départ des travaux de la construction et des bitumages de la route Gao-Bourem-Taoussa. Un rêve de décennies devenu une réalité. Le projet de société du président de la République, inscrit dans l'action gouvernementale 2013-2018, nous oriente à assurer le service public. Cette route constitue une des principales composantes du projet.
d'aménagement de Taoussa a été dimensionné pour être d'une part une voie d'accès au site du barrage de Taoussa, mais d'autre part un premier maillon du corridor Mali-Algérie. La réalisation de cette infrastructure est un effort conjoint État du Mali, partenaires techniques et financiers, notamment la BOAD et le Fonds saoudien, pour un montant de près de 21 milliards de francs CFA. Sa durée d'exécution est de 24 mois. Gao Bourem Taoussa, longue de 130 km, aura une largeur de plateforme de 10 mètres. Son corps de chaussée sera de 7 mètres avec un revêtement bitumeux. Et ce n'est pas tout. Des accotements de largeur 1,5 mètre de chaque côté. Une couche de fondation 15 cm en matériaux latéritiques sélectionnés et une vitesse de référence de 80 km par heure. L'aménagement de Taoussa est un projet majeur qui s'inscrit dans une vision globale de développement rural intégré. Il est porteur d'espoir et de changements significatifs qui bouleversera les conditions d'existence des populations du nord du Mali. Ce projet lancé créera 1000 emplois directs pendant 24 mois et 2000 emplois permanents après son exécution. Mopti a abrité la 7e session du comité technique d'orientation et de suivi du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué, zone de Djéné. Malgré quelques difficultés, on note quand même des résultats positifs, nous signale Jules Sambou-Sissoko. Le terrain précède une session ordinaire du comité technique d'orientation et de suivi du PDIBS zone de Djéné. C'est pour avoir une idée claire sur l'état d'avancement des différents chantiers, dont l'élément structurant, le seuil de Djéné. Le seuil de Djéné, c'est en trois parties. Il y a une première partie concernant le génie civil, une deuxième partie concernant les équipements hydromécaniques, c'est-à-dire les vannes, et une troisième partie, c'est le pont métallique à mettre. Il est prévu d'aménager 14 000 hectares, sur lesquels 5 670 hectares ont déjà été aménagés. La contrainte majeure, c'est la mobilisation des fonds. La 7e session a fait le point d'exécution des recommandations de la session précédente et a passé en revue le rapport d'activité 2016 avant de décliner les activités phares à mener. Pour l'année 2017, le PDIBS prévoit de démarrer les activités de fabrication et de mise en place des équipements hydromécaniques du pont métallique et d'aménagement du casier de Kandara. Achever les 10 000 mètres de route entre le seuil et Sarantomo. Et enfin, démarrer le processus d'attribution des terres aménagées. La principale recommandation, c'était d'équiper l'ouvrage de Niala. Si l'ouvrage de Niala n'est pas équipé, on ne pourra pas assurer correctement la gestion de l'eau dans le pont d'Ori. La fin des travaux de construction de cet instrument de développement multi-bailleur est prévue pour 2018. Pour la consolidation de leur acquis, le conseil régional de Koulikoro et l'agence de développement régional de la même région viennent de signer une convention de partenariat. Occasion pour le conseil régional de tenir sa session ordinaire sur le budget primitif de 2017 et le plan de passation des marchés publics. ORTM Koulikoro, Ousmane Kouita. Cette signature de convention de partenariat entre le conseil régional de Koulikoro et l'agence de développement régional ADR vise à consolider les acquis des missions de ces deux structures. C'est pourquoi des activités seront consacrées à l'élaboration et au suivi évaluation du programme de développement économique, social et culturel. Aujourd'hui, le conseil, son PDC est arrivé à terme et il a lancé le processus d'élaboration de son PDC 2017-2021. Et étant donné que l'ADR là qui est créé pour l'accompagner, donc il a jugé nécessaire de nous solliciter pour l'accompagner, pour l'appuyer sur le processus d'élaboration de son PDSEC. Donc aujourd'hui la cérémonie c'était pour matérialiser cet accompagnement et pour qu'on soit à côté du conseil régional dans ce processus. Le conseil régional s'est réjoui du partenariat gagnant-gagnant entre sa structure et l'ADR. L'ADR Koulikoro, vraiment, on ne fait que les féliciter parce que ça fait peut-être la 6e convention signée au niveau des collectivités et la mission même de l'ADER, je crois que Koulikoro a bien compris.
D'une bière de coup, cette rencontre-là était avec l'ouverture de la session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro. Les administrateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du budget primitif 2017, qui est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Le plan de passation des marchés publics du Conseil régional de Koulikoro a été également examiné. En quatrième région, une visite paysanne initiée par l'IER, l'Institut d'économie rurale, a regroupé à Mbewani, en zone office du Niger, des chercheurs, vulgarisateurs et producteurs des zones office du Niger et office Risségou. Ensemble, ils ont constaté l'applicabilité du phosphate naturel de thil sur le riz irrigué. Kandesilla. Les innovations technologiques sont à l'honneur à l'office du Niger. C'est pour mieux s'imprégner et diffuser ces pratiques dans l'utilisation du phosphate naturel de Tilemsi que l'Institut d'économie rurale, hier, en partenariat avec une société canadienne, GritQuest, a initié une journée paysanne dans la zone de Mbewani. Il s'agit à travers cette journée de confirmer des tests réalisés pour enrichir le phosphate naturel de Tilemsi. QNT a été enrichi à 27 et puis à 35% parce que la teneur initiale c'était 24,3%. Donc on a enrichi à ce niveau. On l'a granulé comme les autres engrais et la solubilité aussi a été améliorée. 10 parcelles test ont été expérimentées, dont 7 dans les zones office du Niger. L'aspect végétatif des champs, ou l'étalage et l'épiaison des champs visités, donnent quelques indicateurs sur le produit. Nous avons répliqué pied par pied. Actuellement, le riz s'est étalé jusqu'à 35 à 47 pieds. Ce que je peux dire, le PNT est bien. Nous avons constaté que l'effet est immédiat et on demande aux exploitants agricoles d'adopter ça pour avoir un grand rendement. Une rencontre de chance aura permis de recueillir les impressions des uns et des autres pour améliorer le produit. Dans le cadre du mois de la solidarité, la société minière Randgold vient de partager plus de 30 millions de francs CFA entre plusieurs structures. Le compte-rendu de Adama Koulibaly. Les bénéficiaires de cette aide de la société minière Randgold en argent liquide, 30 millions 500 millions de francs CFA, sont le centre d'accueil et de placement familial plus connu sous le nom de la Pouponnière avec plus de 16 millions de francs CFA, la cellule technique du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant qui a reçu plus de 14 millions de francs CFA et enfin la Fédération locale des personnes handicapées en commune 1 qui a reçu plus d'un million de francs CFA. Un geste selon le responsable de la fondation Nos Vies en Partage, le docteur Marc Bristov, sera un appui dans l'amélioration du cadre de vie des enfants vulnérables, des femmes en situation de pauvreté et des personnes en situation de handicap. Le geste que vous venez de poser permettra dans les jours à venir à plus d'une centaine d'enfants de la Pouponnière de poursuivre leur développement global grâce à cette solidarité agissante. Aussi, il favorisera à travers le FAFE l'équipement et l'installation des jeunes filles mères domestiques formées en coupe couture, coiffure et restauration. Madame le ministre a fortement salué Randgold et a souhaité un partenariat avec la fondation Nos Vies en Partage du minier Marc Bristov. Le Centre national d'insémination artificielle à travers la Fédération nationale du lait a offert à certains éleveurs des chariots trayeurs. C'est une machine qui traite le lait dans de très bonnes dispositions. Les bénéficiaires de ces matériels ont été choisis compte tenu de leur engagement dans le domaine. Le compte-rendu de Aljumatina. L'insémination artificielle est prise désormais à bras le corps par nos éleveurs, notamment ceux de la Fédération nationale du lait. Ce nouveau concept dans notre pays est d'autant plus rentable et efficace qu'il est soutenu et encouragé par les autorités. Ainsi, certains acteurs du secteur qui font l'insémination artificielle et la traite du lait viennent de bénéficier des chariots trayeurs avec groupe en guise d'encouragement. C'est du matériel qui peut non seulement diminuer la pénibilité des éleveurs et d'autre part augmenter la qualité, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit biologique, qu'elle soit microbiologique, toute la qualité du lait pour qu'elle soit réellement maintenue. Les gens qui ont reçu par exemple ce matériel aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des métis qui produisent assez de lait qui dépassent la capacité des bergers. Ces machines leur permettent de faciliter le travail.
Les bénéficiaires de ces différents chariots trailers, choisis parmi tant d'autres, entendent redoubler d'efforts. Si il y a une machine déjà, ils vont trailler et faire beaucoup d'autres travaux qui n'est pas le trailer seulement. Et avec l'hygiène aussi du lait. Avec cette machine, je pourrais faire beaucoup d'activités. Les chariots trailers offerts aux éleveurs sont financés par la Banque mondiale à travers le WAP Sénérap dans le cadre de la diffusion des technologies. Ce communiqué du Syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC qui demande à ses militants du préscolaire, du fondamental, du secondaire ainsi que du supérieur à ne pas observer la grève du mercredi 2 novembre au jeudi 3 novembre 2016. Le bureau exécutif du SNEC a constaté la participation d'un de ses démembrements au préavis de grève prévu le mercredi 2 novembre 2016 et le jeudi 3 novembre par un collectif de syndicats d'enseignants. L'auteur qui agit au nom de cette section n'a pas la compétence requise au regard de nos textes et ses compétences ne relèvent que du district de Bamako et non le niveau national. Au regard des textes qui régissent notre organisation, seul le secrétaire général au niveau national peut engager l'organisation a une action de grève au nom du bureau exécutif. À cet effet, la décision prise par l'auteur au nom du SNEC est nulle et non effet. Le bureau exécutif national du SNEC demande à tous ses militants et militantes de rester vigilants. Au Mali, très peu de pharmacies pour les plus de 14 millions d'habitants. Elles sont 523 pharmacies selon le président de l'Ordre des pharmaciens du Mali, dont la moitié se trouve ici à Bamako. Entre-temps, les arrondissements et chefs-lieux de communes attendent d'avoir une pharmacie ou d'augmenter le nombre d'officines. Qui est habilité à ouvrir une pharmacie? Quelles sont les conditions d'ouverture d'une pharmacie? Ramata Konate est allé voir. Le premier critère pour ouvrir une pharmacie, c'est d'être titulaire du diplôme d'état de docteur en pharmacie. L'ouverture d'une pharmacie est également soumise à la délivrance d'une licence. La licence est accordée à un pharmacien malien ou ressortissant d'un pays de l'IMOA ou à un pharmacien ressortissant d'un pays accordant la réciprocité au Mali. Première condition, être pharmacien et être inscrit à l'ordre des pharmaciens et être en règle vis-à-vis de l'ordre des pharmaciens. Le pharmacien inscrit à l'ordre peut formuler une demande d'inscription sur la liste d'attente pour l'ouverture d'une officine à Bamako ou dans l'une des régions du Mali. Toutefois, pour avoir la licence, plusieurs conditions sont à remplir. Le magasin, 77 mètres carrés, il faut avoir au minimum 5 personnes qui travaillent obligatoirement dans la pharmacie, des personnes qualifiées avec leur diplôme dans les dossiers. J'ai dit expert comptable, il faut un laborantin, 3 personnes qui travaillent, que vous voyez dans les pharmacies, qui ne sont pas des pharmaciens, mais qui délivrent les médicaments, c'est-à-dire qui servent les médicaments. Et il faut un gardien pour avoir la licence. L'État vérifie tout ça. Il existe aussi des dispositions juridiques et fiscales. Dès qu'on a la licence, on ne peut pas aussi ouvrir avant d'aller chercher des registres de commerce. Le numéro d'identification fiscale, il faut avertir l'inspection de la santé, il faut avertir la direction de la pharmacie et des médicaments. Et les documents sont donnés ici, documents original, et remis ici par l'ordre. C'est l'ordre qui les donne quand les médecins signent. Autre élément important dans la création d'une pharmacie, la taille de la commune. Il y a jusqu'à 10 000 habitants, il faut 5 500 personnes pour une pharmacie. De 10 000 à 100 000, il faut 6 500 personnes pour une pharmacie. Maintenant, de 100 000 à plus, il faut 7 500 personnes pour une pharmacie. Toutefois, y a-t-il une distance réglementaire à observer entre les pharmacies? À la date d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Les pharmacies privées ont été autorisées en 86. De 86 à 92, il y avait une distance réglementaire qui était 500 mètres. Cependant, le Mali est aujourd'hui dans le seul pays, dans l'espace CEDEAO, où il n'y a pas de distance réglementaire. Et on est en train d'aller vers l'harmonisation de la pratique, de l'exercice, de la profession. L'ouverture d'une pharmacie se heurte souvent à des difficultés. Les cas qui sont dans les grandes villes, où vraiment il y a des structures pour les accompagner, ces jeunes-là, il y a beaucoup de banques. Mais une fois que si vous éloignez de ces grandes villes-là, les banques sont souvent réticentes pour aller. Après de ça, il y a l'intégrité. Il y a aussi le temps de traitement des dossiers. Au-delà de ces aspects, un pharmacien ne peut être propriétaire que d'une seule officine. À ce jour,
Le Mali compte 523 pharmacies, dont la moitié à Bamako, selon notre interlocuteur. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite de nos programmes. À demain.